fête de la pêche qui dure 3 jours, le vendredi, samedi, dimanche, où c'est gratuit pour tout le monde. Nous, on en profite pour faire la fête de la pêche et pêche en herbe, où ce qu'on remet des cannes à pêche et des permis de pêche aux jeunes de 6 à 18 ans. Okay. Et on les fait pêcher en même temps dans 2 piscines, dont il y en a une là qui a pour les petits. Il y en a une deuxième pour les un petit peu plus grands. Et ensuite, on les envoie dans la rivière pour qu'ils puissent prendre leur quota, mais qu'ils en prennent assez pour pouvoir en manger. Beau vos poissons? C'est tout toi qui les as pêchés? Non. Non? Vos deux? Super! Ensuite, bon, ça fait combien d'années qu'on fait ça ici avec chacun? Je me souviens plus du nombre d'années, mais ça fait entre 12 et 15. On a commencé sur un lac, le lac Noir, ici à Saint-Alban, et on a amélioré notre visibilité en le faisant ici, et l'accès est plus simple aussi. Okay. C'est à la grandeur de la province. Nous, on est une grosse organisation, là, je pense qu'on est rendu à 360 inscriptions. Il y en a à Saint-Basile, il y en a à Pont-Rouge, je crois, il y en a à Saint-Raymond, il y en a à Donnacana. L'association comme ça, là, dans le fond, on peut parler un petit peu de ça. On peut devenir membre, c'est ça? Oui. L'association, devenir membre, c'est 10 $ individuel, 20 $ familial et 5 $ pour les jeunes. Autrement dit, tu as 2 jeunes, 3 jeunes, la mère et le père, ça coûte 20 $. Est-ce qu'on a accès en tant que membre ensuite à des activités justement ou à des dates, j'imagine, ou des événements? Oui, on a des activités majeures, on en a 3. On a ce tournoi de pêche-là ici. On a le tournoi de pêche sur le fleuve Saint-Laurent à Grondines qui a lieu depuis une douzaine d'années aussi. Et un souper de fin d'année où ce qu'on remet les prix. J'aurais pu vous montrer un pamphlet de toutes nos activités, mais les majeures, c'est ça. En plus de la formation, on donne toujours des cours de maniement d'armes à feu une fois par année au printemps et des cours d'arbalète une fois au printemps. J'ai dit printemps, c'est mars-avril. Bon, puis aujourd'hui, là, en fin de semaine, ça a bien été? Ça s'est bien déroulé? Très bien déroulé. Hier, c'est pris beaucoup de poissons. On n'a vu que du monde sortir avec des sourires. La pêche était belle. La météo était pas excellente, mais c'est meilleur dans ce temps-là. Le monde ne travaille pas sur leur terrain et en profite pour venir pêcher. Premier trou. Premier coup dans le trou.